Putain, il y a encore un coffre à parodie. Du fromage. Pourquoi pas? Alors. Alors, toi, tu vas m'acheter. Tu vas m'acheter une pomme arsenic. Tu vas m'acheter une amulette à la con. Toutes les pierres à la con que je me trimballe. Que je tue jamais. Ça aussi, je me prends. Elle cause de gros dommages aux ennemis. Allez. Non, pas le fromage. Alors, je suis bon. Voilà, il y a de la place. Hein? Bon. On va racheter quelques poudres. Ouah, mais j'ai plein de thunes! Bah tiens, je vais te lâcher ton épée à la con, toi. Ouais, je vais te l'acheter. Alors, ce que ça donne? Qu'on rigole? L'épée du hibou. Oh, ça va, c'est pas dégueulasse. Des dégâts de vent, et c'est tout ce qui est intéressant en fait avec ce truc. Et moi j'ai l'épée de hibou. On peut dire quelque chose là? Non. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de vendeur de pierre, ça me sert à rien du tout de garder du pognon. Ensuite. Tu dois quand même sauvegarder maintenant, quitte à faire une sauvegarde 3 secondes après. Assemblage. On va s'occuper de quoi? Lui, je peux le compléter. Très bien. Ah, maison de Pau. Elle est où? Maison de Pau. Un petit coffre qui se cache derrière autour de sa baraque, lui. Ah, frappe plante, très bien. C'est très bien, ça frappe plante. Du pain. Youhou. Une poudre réparatrice, très bien. Et voilà, viens t'asseoir. Je suis de nouveau chez moi, il paraît que c'est grâce à toi. Reste pour manger, je vais préparer quelque chose. Je n'ai plus faim. Incroyable. Alors, est-ce que tu as trouvé le village du peuple de lune? Je vois, la forêt du hibou est très dense, tu auras peut-être du mal à le retrouver. Mais ne te laisse pas abattre, vas-y tranquillement. Tiens, je te donne ça, courage. Ah, fruit d'Éden. Merveilleux. Bonne chance, mon ami. Eh ben... On va la donner à Xiao, histoire qu'elle soit un peu plus résistante. Je crois que ça sert à grand chose que j'arrive jusqu'à 100. Donc en théorie, il est pas censé trop se faire toucher. Mais c'est en théorie frappe bête, très bien. Feu! Ensuite, qu'est-ce que je peux compléter? Grand chose. Si, je peux compléter les rivières, c'est déjà bien ça. Voilà.
Quoique, de toute façon, il faut encore que je... Comment? Que j'ouvre ce passage-là. Ah bah ça se fait tout seul. Bête. Ok. Oui, la cascade est quand même pas énorme, hein. Et donc il y a un point de pêche. Waouh. Il y a un coffre de l'autre côté. Beignet moussu. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Je peux mettre des ponts. Je peux mettre un escalier pour accéder à chez lui. Plus de machin. Voilà, il est là. En plus, il y a un truc... Merde. Je veux ce coffre. Ah bah voilà, parfait, un fruit d'Eden. Ouais, je vais le manger maintenant, en tout cas faire. Voilà. Ah. Hein, quoi? Qui es-tu? Voyons, je t'appelle toi. C'est un drôle de nom. Et alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Pas la peine de parler si ce n'est pour... Si ce n'est pas pour faire affaire. Ah bah, s'il y a moyen de faire affaire, moi ça me va aussi. N'oublie pas la pièce d'en haut, ce sera ma chambre. Waouh, incroyable. Alors, mec, par contre, il y a un coffre derrière toi et j'aimerais beaucoup le prendre parce que c'est moi qui est censé sauver le monde et tout, et pour ça, j'ai besoin d'un peu d'aide. Fromage. Du fromage. Je suis déçu, fromage. Bon, tant pis, ce sera pour plus tard. S'en fout que je repasse une fois que la maison est finie. Tac, tac, assemblage. Ça j'ai. Comme ça, c'est fait. Ok. Bon, bah, plus qu'à aller voir la promojo. Ouais, il fait flipper sa race. Waouh, il est trop flippant le truc. On dirait un escargot fossilisé qui bouge. Il est flippant sa mère le machin. Un frilène, magnifique. Une gourde, magnifique. On va tous se mettre ça dans la gueule. Sans hésiter, comme un vieux chien. Bon, bah on va essayer d'y parler à ce truc. N'importe quoi. T'as la musique de Vamulus sous les mers, quoi, le truc. Dis-moi, mon petit, c'est toi qui m'as sauvé? Non, c'est le pape. Oh, Dieu du ciel, alors c'était toi. Oh, merci, merci, merci. Je vais te donner une récompense. Ah ouais, il m'éternue dans la gueule carrément le truc, quoi. C'est complètement dégueulasse. Waouh!
Donc le mec, il a des épées, ça lui sert de crotte de nez, quoi. C'est ce que recherchent tous les chasseurs, l'objet rare, l'épée du serpent. Tintintin. Ouais, le bug. L'épée du serpent en poche. Cette épée ne se brisera pas tant qu'elle n'aura pas accompli sa mission. Une fois sa mission terminée, elle deviendra aussi fragile que les autres. C'est un article très rare. Prends-en soin, mon petit. Ah, et j'ai plus de place. Bah, ça me sert à rien de garder Gradius. Enfin, ouais. J'ai un Gradius en rap qui me sert à rien. Faudrait que je vide mon inventaire. Viens voir ce qu'elle donne cette arme là. Ouais, ça va. Oups. C'est pas non plus trop ouf. Trois emplacements, c'est pratique. Faudrait vent. Oh, par contre là, il y a des stats intéressantes. Elle peut se transformer. Elle peut se transformer. Ok. Bah, 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 bah. Du coup, on va sauvegarder tout ça quand même. Pas que dedans. On va d'abord. D'abord. Allez dire un petit coucou chez Mémé. Histoire de poser des armes. Parce que ça sert à rien que effectivement je me trimballe avec 400 000 armes sur moi. Pareil, les poudres de level up, c'est pas nécessaire non plus. Je viens de penser, est-ce que j'ai mis les attributs sur mon arme à moi? Oh, ouais, c'est bon. Ok, alors les armes. Au pif. Là-dedans, on est à 25 sur 40, c'est pas mal. Voyons voir aussi par contre. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais acheter de l'or. Histoire de stocker un peu d'or. C'est vrai que encore une fois que je me trimballe avec 400 000 tonnes. Tout ce qui est pêche, on va te stocker. Coupe de perfection. Ouais, bah ça me semble bien. Et quelle heure? Ok. En passant bâche. Non! Oh, ça change rien ce que j'ai fait. Tac.
Voilà. Ça, je sais ce qu'il me reste. Poudre. Si c'est là... Et on est reparti à l'aventure. Ah, du coup, j'ai oublié de re-sauvegarder. Ah, putain. Des fois où je suis mauvais. Petit champignon. Ah bah je l'ai one shot, dis donc. Faut dire que j'ai un truc de bonus contre les plantes qui est assez fat. De la rivière, bah putain. But B. La rivière, eh ben, dis donc, il y en a de la rivière. Petit champignon. 136 quoi. C'est fat. Oh le con. Là, toi. Donc, on va la ramasser, elle. Enseigne. Assurance plus 1. Fait toujours plaisir. Torche. Esquive! Wow! Direct! Putain, mais ça fait vraiment mal, quoi, en plus, ces trucs, hein. C'est pas comme si ça chatouillait, quoi. Tiens, on va essayer d'un beignet moussu, là. Ah, c'est pour augmenter la défense, ces trucs-là, d'accord! Ah bah, allons-y, oui! Complètement oublié ça, je croyais que c'était juste pour leur donner un bonus temporaire de... Plus temporaire quoi.
Mais non, c'est bien pour augmenter la défense, quoi. Direct, quoi. Je me sens un peu con, là, du coup. Je vais le dire. Bah, ça aurait mieux se passer, maintenant. Ah, je peux utiliser le passage sacré. Oula. Alors, avant, dans le doute, on va se remettre le dernier pain dans la tronche. Voilà. Il faut qu'on perde un peu trop de points de vie avec cette histoire. Ah bah c'est bon, ça sort direct. Et... l'inspire d'attaque, le retour de la vengeance. Ah le con. Approche. Yeah. Ok. Respecte-toi la gueule. Comme ça, je peux te péter. Je peux te lâcher, plutôt. Parce que, ouais, vas-y, pète-toi la gueule que je te pète la gueule. C'est un peu redondant. Ça fait deux fois chacal. N'empêche, c'est con cette réplique à la. Cette petite réplique juste débile. Waouh! Jusqu'où elle a été, quoi. C'est un peu ouf, quoi. Ah, bout de frampton. Et ça, c'est quoi comme... Bon, ça, on remarque que ce sera toujours l'occasion de voir... Wow! What? Ah ouais, carrément, ça se téléporte maintenant. Oh putain! Ah, je me prends directement moins de dégâts, ouais. Ça fait plaisir, quoi. Faire le niveau bonus. Avant de faire le niveau bonus, on va ouvrir le passage. Non. Voilà. Comme ça, ça fera des objets en moins. Ça sera balayé, quoique j'ai fait beaucoup de place, donc. C'est pas vraiment ça le problème. Et je pense que pour faire ce niveau bonus, on va utiliser le lance-pierre d'attaque de base. Ce que je viens de récupérer. Pour dire de le EP et puis peut-être de le remettre du coup dans le... Dans celui que j'ai en ce moment, quoique... Ce qui me manque c'est de l'agilité et de faire mal contre certaines bestioles. Donc non, ça vaudrait pas le coup en fait. Bug! Bug! Oh putain! Bon, en 3 secondes, je me sentis un peu con de pas avoir eu l'occasion de sauvegarder plus tôt, quoi. J'en étais sûr. Oh putain! Wouah! Wouah! Le machin il m'a one shot quoi, direct. La violence du truc quoi. Yeah!
Oh putain. Ouah. Putain, en plus ça m'a défoncé mon arme. Prends ça. Eh ben... Putain, il a one-shot Xiao, quoi. Ah, je veux bien que les monstres ils sont plus haut level dans ces zones-là, quoi, mais... Wouah. La saloperie, quoi. L'empaffé de sa maman la chienne, quoi. Ah, petite épée pour level. Ouais, donc adapter. Donc, ok. Il me fallait quoi? Il faut de la foudre. Il faut de la foudre et du fer. J'ai pas de pierre de foudre. Non. J'ai une paille et une tiste, donc ça ne va pas du tout pour la foudre. Ni pour le fer. Ah, si, ça pour le faire, ça marche. C'est 2 endurance en plus. La plante, est-ce que je laisse le bonus aux plantes? Ouais. Ah, j'ai plein de pierres de feu. Tant pis pour la foudre. Je la fais évoluer maintenant. Ok, alors, maintenant il me manque quoi? Il me manque encore de la foudre, il me manque encore du fer. Très bien. Se plante à chaque fois. Je vais mettre full bonus feu. Quoique ça me donne un bonus à quoi? Ok. Rien. Froid. Non, ça s'en fout. Comme ça, je serai encore plus mal aux plantes avec. Je pense que si je mets juste un bête bonus normal. Quoique. Il y a marre contre les coffres, je pense que ça marchera bien. Ah bah. Aussi un bonus au coffre. Et les coffres, je suis pas sûr qu'ils créent vraiment le feu. Ouais, non, bah, c'est comme ça. Je pense. Ah, genre quoi. Eh, mais pareil, ils me touchent les machins quoi. C'est. Ouais, c'est la folie du slip en fait, cette zone quoi. C'est. Ça va quoi. Vous savez quoi, je vais remettre Xiao en vie. Voilà, j'ai une pote de perle à papin. Par contre, j'ai plus de trucs de changement, donc là, si... Je paierai la moitié de mes thunes si jamais elle crève, quoi, donc faut que je fasse gaffe. Viser. Par contre, j'ai plus confiance. Plus ma plume vient de crever. Un peu complexe là. C'est que toi t'as aucun bonus sur ton arme actuellement. Si tu as une bonus d'agilité, bah tu vas avoir un bonus de dégâts au coffre. En prime avec. Ah, c'est ouf quoi.
bonus sont pas énormes non plus, hein. Ah putain. Pauvre réparatrice, ça fait plaisir. En fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les tue? Ouais, il donne quand même pas mal d'XP. Ok, j'ai rien à foutre de ça. Frappe occulte. Si seulement je pouvais avoir une perle, quoi. Oh putain. Et j'ai fait quoi, 22? 21? C'est parce que d'un coup je fais super mal. Ah, plus je suis prêt, plus je fais mal en fait avec mon... D'accord. Ouais, c'est ça. Plus je suis prêt, plus je fais mal. Petite pub de drame. Si on l'a vu que la mienne vient de mourir. Vent, ouais, si tu veux. Du savon, génial! Putain, nique ta mère! J'aurais vraiment essayé de la poudre de réparation sur Star Wars, sur Steam. Et on m'appelle pour bouffer. Je finis ça et je me casse de là. Je vais pas me faire chier avec ceux qui sont animés. Ou un brise métal, nickel. C'est merdique. Le brise métal, je pense, je vais mettre maintenant, comme ça, avant que j'oublie. C'est pas ça qu'il me faut. Il me faut de la foudre et du anti-métal. D'accord, ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et c'est bien. Fuck. Y'a pas de sortie? Houston, on a un problème. Oh la merde! Oh l'arnaque! Je prends en fait la... Je crois que ma PlayStation doit plus beaucoup apprécier la chaleur parce que quand j'avais fait une première fois le jeu, j'avais jamais eu ce genre de bug. Oh l'arnaque! Ah je sais, je peux utiliser une peau d'évasion. Ok monstre. Hein. Voilà. Wouah! J'ai eu peur de devoir tout recommencer depuis un bout de temps. Parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas sauvegardé, quoi. Pouah. Oh la vache, quoi.
Oh l'horreur. Quoiqu'un bout de temps, non, pas si longtemps que ça, je crois. Ah, une demi-heure quand même, quoi. Enfin bon. Moi sur ce, je vous dis à plus tout le monde, mangez des pommes, buvez du lait, portez-vous bien, passez à matest.com ainsi qu'à matest.exoid.fr, sur matest.com, la chaîne de la communauté Matest où se mime le tout début de la communauté. Vous pouvez également faire un tour sur Facebook et mon Twitter, poser vos questions sur mon ask.fm. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et ça aide la chaîne à grandir. Allez, salut!